Allez, salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure horrifique. Nous sommes bien évidemment sur Outlast 2 et nous en sommes à l'épisode 9. J'espère que vous suivez toujours jusqu'ici. Je sais que je prends mon temps pour ce let's play, mais comme je vous l'avais dit lors de l'épisode 5 ou 6, j'attends toujours ma connexion internet, la fibre optique. Et croyez-moi, ça va dépoter une fois que je l'aurai, mais en attendant, c'est assez terrible, je vous l'avoue. Allez, on est parti pour la suite de notre aventure. Nous étions... Il y a quelqu'un qui vient de courir. À l'instant devant moi. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Oh, ok, il y a quelqu'un qui vient de courir juste devant moi. Je ne suis pas fou. Ok. Il y a toujours des croix à l'envers hein, partout. Hein. C'est le jeu des croix à l'envers, les gars, ici. C'est assez terrible là-dessus. Je suppose qu'il faut passer par ici, non? Même pas. Ah! Bah oui, forcément. Il faut toujours suivre la lumière. Ok. On est parti là-dedans. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je règle un petit peu le son du jeu. Je suis même pas rentré, cousin! Il y a des gens qui rigolent partout. J'entends des gens qui rient partout. Ok. Il y a beaucoup de casiers. Pourquoi on propose de ramper la mesquine? Il y a quelqu'un qui marche, putain, sa mère. J'entends quelqu'un qui marche. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Ok, on va passer par ici. Wow! Qu'est-ce qu'il fait? Il va me tuer. Madame? C'est terrible! Elle a des branches sur la tête! Est-ce que c'est que c'est... Aïe! Aïe! Ok, très bien. Bon, elle m'a arraché en 3 coups. On va laisser peser. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Fallait faire demi-tour au moins ou fallait y aller? Ok, faut faire demi-tour. Ok. On va passer par ici. Hein. On va se mettre près de la porte. Bonjour, monsieur. Ok. La porte était ouverte par je ne sais quel miracle, donc je suppose qu'il faut aller à la porte. Ok, là la porte vient de s'ouvrir, quoi. Mais pourquoi? Qu'est-ce que... Quelle est cette possession? Aïe! Putain, mais... Je me soigne, hein, ni sa mère. Par contre, c'est très long. Oh putain, allez, dépêche! Je vais où? Ici. Oh putain, non. Oh! Adieu! Cette vie est tellement nulle! Ok, je suis vivant. Par où on peut. Par là? Par où on peut passer? Par où on peut donc passer? Il est sous sortilège. Ok, c'est par ici. Monsieur, j'entends quelqu'un respirer juste à côté. J'ai pris ma petite vie. Hein. J'ai pris ma petite vie. Ok, faut courir. Faut courir. C'est juste derrière moi. Vie nulle. C'est juste derrière moi encore. Toujours derrière moi. Encore et toujours derrière moi, une roue. Ah, décor. Ok, on traverse. C'est toujours et encore derrière moi, on va passer par ici. Allez. Ok, c'est bon. C'est bon. Bah alors mon poteau, bah alors. Alors mon pote. On n'arrive pas à passer. Attends. Oh putain. Oh putain. Ah. Merde. Ok, c'est bon. Nous voici à l'école. Alors là, ça va être assez terrible. Hein.
Là, ça va être assez terrible. Putain, j'ai pris ma petite vie quand même. J'ai récupéré de la vie. J'ai bien l'impression d'avoir récupéré de la vie parce que j'ai plus le contour rouge autour de moi. Donc, normalement, la transition m'a soigné. J'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Ok. Oh. Qu'est-ce que c'est? J'ai vu l'ombre apparaître. Peut-être pas rester ici trop longtemps. Alors, qu'est-ce qu'il a bien pu se passer dans cette putain d'école? Est-ce qu'au final, j'ai participé à sa pendaison? J'aurais pu la sauver, mais je ne l'ai pas sauvée. Est-ce que sa pendaison est un suicide? Je sais pas. Écoutez, tellement de questions, encore une fois. Et on va rentrer par ici. Très bien. Ok, on va ouvrir cette porte. D'accord. Il n'y a rien. Il n'y a rien pour le moment qui se cache là-dessus. Je crois que j'ai été soigné, hein, je vous confirme. Ok. Je déteste tenter d'ouvrir les portes avec un carreau comme ça. Parce que si un visage apparaît d'un coup, c'est clairement, les gars, clairement la crise cardiaque. Madame? Ah! Ah oui! D'accord. Ok. Donc, il y a des pendus partout. Des pendus qui sont d'ailleurs reliés au ciel. Ok, ça c'est terrible. Ça c'est terrible ce qui se passe. On dirait qu'elle veut me faire culpabiliser de sa mort. Vous savez ce qui serait fou? Un truc qui serait réellement fou. Mais genre vraiment dingue. Chemin de Dama. Un truc qui serait vraiment dingue, c'est qu'en fait, à la fin, on se rende compte qu'on est littéralement fou à cause de Jessica et qu'on soit enfermé dans l'hôpital psychiatrique du 1. J'ai pas fait le 1, je sais pas vraiment comment ça se termine, ni qui est enfermé, mais en tout cas, l'idée est bonne, les gars. Ah ! J'ai été poussé. Regardez ce bruit. Ah ! J'avais pas vu ça. D'accord, j'avais pas du tout vu ça. Putain, mais c'est trop hard ce jeu. Ça y est, j'ai la bouche pâteuse. Les gars, vous le savez, il faut moins de 8 minutes à chaque épisode pour avoir cette putain de bouche pâteuse. Là, je l'ai. Et c'est pas un bon signe. C'est clairement pas un bon signe. Ok, j'ai quelque chose, une batterie. Je prends volontiers. Ok. D'accord, on peut y aller. Putain, je suis pas bien. Je suis déjà pas bien. Qu'est-ce qu'on a là? Les pendus, toujours, l'autre partie du couloir. Il y a quelqu'un. Oh, j'ai vu quelqu'un. Oh non. Oh non. Ok. Il y a quelqu'un bloqué sur la droite. Il y a l'ombre. Oh, ça fait terriblement peur avec les pendus comme ça. C'est terrible, hein. Ok, il y a une télé. On va se rapprocher très vite de la télé. Qu'est-ce que c'est? Ok. Qu'est-ce que ça dit? Jessica Blake. Jessica. Alors, un L qui commence par un L et qui comporte un V en deuxième lettre. Je dirais consonne, voyelle. Jessica. Love, live. Aucune putain d'idée. Aucune putain d'idée, les potes. Et on va passer par ici. Attendez, ah, oh là. Attendez, mais en fait, c'est de la pédophilie là, les gars, non? Attendez, c'est de la pédophilie. On retrouve nos prêtres. Eux, ils sont pédophiles à 600%. Donc on va ouvrir. Il y a quelqu'un là-dedans? Oh putain, c'est terrible. Ok, y'a personne. Ok, y'a personne. Et je vais pas chercher à aller plus loin, ça sert à rien, les gars. Ok. Oh putain. Oh, y'a du sang. Ok, Jessica, Jessica, Jessica. Oh là 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 là, on se casse. Elle était enfermée dans les chiottes. Elle a peut-être subi. Elle était peut-être poursuivie par l'un des prêtres là, justement. Un des rabbins. Ok, c'est assez terrible. Là, on va essayer de voir le plafond. Non, y'a rien. C'est quoi ce... Ah! Derrière moi! Je m'en fous. Je me retourne pas. Oh putain. Ah! Ah! Kelly! What? Quel est ce sortilège? J'ai réussi à brain le système? J'ai réussi à ne pas être effrayé par le système.
C'est incroyable. Ok, toujours une croix. Oh là 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 là. Ah, il y a des nouveaux... D'accord. D'accord. Ils ont tous été enfermés, hein, les gars, pour acte de pédophilie intense. De niveau 12. Oh putain, on est de retour dans la librairie. Le célèbre CDI. Ok. Ok, 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 ok. Là, y a rien, j'y rentre pas. S'il y a rien, je rentre pas. Ok, on continue. Quoi? Oh, c'est quoi ce délire? Avec la musique. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible. Je vais me cacher ici. C'était Jessica qui a apparu là. Ok, on a autre chose ici. Y a rien. Ok, c'est parti. Quoi? Attendez, y'a plus de lumière. Y'en ne comprend pas. Quel est ce bordel? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas quel est ce fuck. J'essaye de rentrer partout, ça actionne peut-être quelque chose. Oh, avec les vitres. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah! Ok. Qu'est-ce qu'on fait là? D'accord, ok, on est... What? Ça y était pas avant. Ok, on est dans une bibliothèque sans fin. Qu'est-ce que... What? La pièce était pas aussi grande. Ah, ça s'est transformé en labyrinthe. Il ne comprend pas. Il n'est pas compris. Ah oui, d'accord. Là, ça va être chiant. Ok, j'espère qu'il faut pas mémoriser le parcours parce que c'est terrible. C'est une terrible fin pour le joueur australien. Ok, mais je vois pas du tout, messieurs, par où passer. Il ne comprend rien. Et là, c'était le mur. Attendez. Non, je pensais que c'était là. C'est chiant, ça. Oh. Les gars, excusez-moi. Est-ce que quelqu'un a vu le livre numéro 8? Ah, ça doit être par là, je pense. Non. Je pense que... C'est bizarre. C'est par là. Non plus. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Quel est ce subterfuge? Je suis encore victime de sorcellerie. Qu'est-ce que c'est? Ah! Oh putain! Putain de sa mère! Ok. On se casse. On se cache, je suis poursuivi par le mal. Et le mal, c'est mal. Y'a quelqu'un encore? Ah! Laissez-moi être... Oh non, je suis mort. Je suis mort. Ok, non, c'est bon. Ok, c'est bon, on peut y retourner. Ça a disparu au sol. Ok, c'est par ici. On arrive à voir la sortie. Oh putain. Ok, c'est par ici. C'est bon. Ah non. Ah non, c'est pas la sortie. Ah, c'est chiant. Putain, c'est chiant. Nous revoici au CDI. Sacré pile de bouquins, hein, les gars. Je sais pas qui lit autant. Mais en tout cas, c'est terrible. Ok, on continue, les gars. Aucun putain de souci. Enfin, aucun putain de souci. Qu'est-ce que c'est? Tout ça pour aller où? Pour aller là? Je ne vois rien. Ok. Comment je fais pour sortir d'ici? Ok, on a un joli décor. Peint à la main. J'arrive! Oh putain! Oh putain! Les gars, qui arrive? Y'a quelqu'un? Là, y'a de la lumière. Je cours. Je cours, je m'en bats les couilles. Je cours. Je me raccroche à la vie. J'ai le trou de balle qui fait du bruit. Quoi? Ah! Ah putain, il est partout! Jessica! S'il te plaît, Blake! J'arrive. Mais elle me sauve la vie depuis tout à l'heure. Attends, je vois rien. Quel est ce fait? Ah! Putain! Mais sérieux! Ok, on est de retour dans la vie réelle.
La vie réelle, c'est le plaisir avant tout. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Ouais. Ok, on a une câble. Faut que j'aille là-haut, c'est ça. Impeccable ou pas? C'est bien ça, non? On les remarque. Il y a une porte. Non, forcément, on peut pas l'ouvrir. D'accord, très bien. Ok, bon, écoutez. On continue. Toujours cette petite sensation de pâte dans la bouche, évidemment. J'ai... Ah merde, j'ai rechargé, putain, quel connard. Ok, je peux plus porter de bandage. L'entrée de la mine est généralement à l'étage supérieur. D'accord, par contre les piles ça devient chaud. Je vais être très honnête avec vous, j'ai plus que 4 piles. Ça devient pas évident. Ok, on va passer par les piles. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que D'accord. Ok, ils sont un petit peu partout. J'ai bien cru comprendre. Ok. C'est pas grave, on continue, y a pas de soucis. Oh là. Ça me paraît bien vaste. Ça me paraît bien vaste et y a de quoi tourner un petit peu partout. Ok, on va ouvrir. Qu'est-ce que c'est que ces bruits, putain? On va fermer. Ok. Oh, j'ai quelque chose là. J'ai quelque chose. Non, attends, ça sert à rien. Je peux monter où? Je peux monter là-haut? Je peux monter nulle part? Y'en a, comprends pas. Ok, c'est bon. Donc faut monter par ici. Putain, mais c'est... Mais ils sont où? Pourquoi ils sont comme ça, les mineurs? Ah! Monsieur? Ah! 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 J'étais bloqué! Je pouvais pas bouger! Ah putain, mais je vais mourir. Je vais mourir, j'étais bloqué! Je sais pas pourquoi je pouvais pas bouger le joystick gauche, non! Cet homme m'a eu par traîtrise, c'est terrible! C'est pas gentil, monsieur, je suis déjà mort deux fois quand même. Deux, voire trois fois dans cet épisode, c'est assez terrible. Ok, on se casse directement. On court comme on n'a jamais couru dans notre vie. Toujours derrière moi, j'ai quoi? Ok, faut tomber. Ok, faut s'allonger. Faut se relever. Faut courir. Encore et toujours. Encore et toujours courir. Sans s'arrêter. Faut passer ça très rapidement. Impeccable. Je suppose qu'ils sont derrière moi. Oh putain, il y a un mec qui vient de tomber à mes pieds. Il y a un putain de mec qui vient de tomber à mes pieds. Faut courir. Toujours, encore et toujours. Ah! 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 Oh! Oh! Bah enfin, je te retrouve. Merde. D'accord. C'est très très chiant. Quel est ce fuck? Ok. Je cours. Je cours le plus vite que je peux. Il arrive. Il arrive encore. Ouah, comment il galope? Ok. J'ai peur. J'ai peur. Qu'est-ce que... Car à ce que vous voyez, petits yeux. Quoi? Car à ce que vous voyez, petits yeux. Ok. Car le Père est tout là-haut, nous regarde avec amour. Car vous à ce que vous voyez, petits yeux. Car à ce que vous touchez, petite main. Car à ce que vous touchez, petite main. Je pars ou pas? Car le Père est tout là-haut. Vous avez vu? C'est ce que je vous disais. On a l'impression qu'en fait, quelqu'un voulait la tuer. Il la faisait chanter. Gare à tout ce que tu dis, petite bouche. Car le Père est tout là-haut, nous regarde avec amour. Ça tape quelque part. Gare à tout ce que tu dis, petite bouche. D'accord, ça tapait quelque part. Quel est ce... Hop, on peut se lever. Ah!
Ok. Oh putain, j'ai frôlé l'arrêt. Ah mais là c'est du hit and run, hein. J'ai frôlé l'arrêt, les mecs, sérieux. Ok, bonjour. Jessica, j'ai pas le temps pour tes conneries. J'ai déjà bien trop peur. Oh putain. Tu es pas méchant, Blake. Juste désorienté. Ah ! D'accord. Ça va, si je suis que désorienté, ça va, on est large. J'ai peur. Laisse-moi t'aider. Je sais pas où je cours, j'ai cru voir quelqu'un à droite. Elle est... Ok. We'll never let you go. Ok. Tu ne partiras jamais d'ici, en gros, hein, bien évidemment. Attendez. C'est par où? Par là? Non? Ah d'accord, c'est chiant. Peut-être par là. Sérieux là les mecs? Ah non 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 non, mais attends, mais quel bolos je suis. Eh oui, fenêtre ouverte forcément. Ok, on est de retour dans la réalité. On est de retour dans la réalité. Pourquoi? Parce que j'ai vu le sang par la fenêtre. Je fais 2-3 tractions si ça vous gêne pas. Putain, j'ai... Non mais là c'était terrible dans les shots, hein. Attendez, c'est par ici. C'était terrible dans les shots, réellement. Attention. C'est pas ouf, je déteste ce genre de truc. Qu'est-ce qu'on a là? On a des petites passerelles. Hein. On a des petites passerelles, je sais pas du tout. Est-ce qu'on va en prendre une? Non, je pense pas, le but c'est d'aller dans la mine. Quoi? Ah, d'accord, excusez-moi. D'accord, excusez-moi. Blake, si tu fais pas d'effort, ça devient chiant là, hein, d'accord? Maintenant, faut t'accrocher quand tu sautes quelque part. Parce que sinon, c'est le vide intersidéral et ça fait chier. Allez, on est reparti. Hop, c'est vers la gauche. Je suis mort 3-4 fois. Je crois 4 fois, hein. Dans cet épisode, c'est assez terrible. Et encore, hein. Et encore dans les chiottes, on a frôlé la crise cardiaque. Et c'est par ici. Blake, faut sauter. Ne prends pas pour un con. On prend l'élan. Oh, ok. Ok, j'arrive. Ça sert à rien d'insister, d'accord. De toute façon, cette porte, elle mène à rien. Là, il pourrait tellement me faire tomber, le mec. Le mec qui était derrière, là, comme un abruti. Ok, c'est par où? C'est par là. D'accord. Mais cette mine, on n'y sera jamais, hein. On n'y sera jamais. Ok. Ah, interagir. Ah oui, d'accord. Ok. On a quelque chose. Une pile, c'est très très bon, ça. Très bon. Ok, on a une pile. Je sais pas si on est proche de la fin du jeu et combien de phases dans l'école il reste, mais c'est assez terrible. Ah, y a rien là-haut. Aïe. Oh putain, j'ai frôlé la mort. Oui, je crie d'avance. Je crie d'avance. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi, mon sauce. Ah. Mais qu'est-ce que tu fais? Ok. Ok, dépêche-toi. Dépêche-toi. D'accord, faut surtout pas que je me lève, en fait, sinon je glisse, hein, si j'ai bien compris. Dépêche-toi, mon Blake. Allez, mon frérot, faut y aller. Ok, c'est bon, on est tranquille. Ok, on est tranquille. C'est bon. C'est bon. Ok, on a une porte, quoi. Ok, ça va, je suis large. Oh putain, on a pas mal de trucs intéressants. Pas besoin de bandage, d'accord. Un ascenseur. Alors les ascenseurs, j'aime pas trop parce que les dernières personnes qui sortaient des ascenseurs, c'était la dame avec sa hache là, qui était immortelle. Ok. Qui arrive? Qui arrive, putain? Ok, ok. Ok, il arrive même en courant, ce bâtard. Il court. Il se raccroche à la vie. Il a le trou de balle qui fait du bruit. C'est les choses qui l'entourent.
comme un troupeau noué de tresse, tous ensemble! Sans comprendre la détresse, j'ai perdu ma voix. Ah, bah ça, c'est les soirées. Hein. Ok, je vais où là? Mais où je vais? Bon, là, c'est du running. Hein. C'est du running. Running to now. Ok, c'est par ici. Ah, je peux plus courir. Je peux plus courir. Je peux plus courir, je peux toujours plus courir. Ah! Double esquive. Ah! Triple esquive. Ah! J'aurais pas le temps, c'est bon! Heureusement qu'il peut automatiquement. What? Donc, en gros, le mec là qu'on voit là avec ces sortes d'herbes qui sortent de sa tête, ce mec là est immortel aussi, donc c'est le troisième boss. Il y avait la meuf avec sa grosse hache. Oh là. 40 feet. D'accord. Donc il y avait la meuf avec sa grosse hache, il y avait le gars avec le gobelin là avec l'arc, et là c'est le troisième. D'accord, donc c'est pour l'instant il y a trois entre guillemets boss. Boss évidemment qu'on ne peut pas tuer. On descend, on s'enfonce. 120 pieds. 120 pieds ou 12 pieds? 120 pieds, je suis pas. Ah, un peu plus finalement. Ah oui d'accord, et là va falloir remonter forcément. Ah 800 pieds pardon. 800 pieds les gars, ça fait pas mal de choses, c'est moi qui vous le dis. Ok, on fait quoi là? Ah d'accord, faut vraiment se laisser tomber. D'accord, je crois que prochaine sauvegarde on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, vous savez que ce jeu me met en émoi. Qu'est-ce que c'est ce super jeu? On va passer par ici. Voilà, ah, subterfuge sera le mode aujourd'hui. Mettez subterfuge en commentaire. Wow. Ok. Bon. Écoutez, je... Oh, on dirait un œil. Ah, je peux filmer. Senti sepulchiri. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Si quelqu'un parle latin, n'hésitez pas. Vous savez quoi, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Néanmoins, on va regarder nos vidéos quand même avant cela. Ok, on a celle-ci à regarder. Gigi, j'allais jamais sortir. Je le sais maintenant. Au moins, je serai avec elle. Non mais mec, c'est pas comme ça qu'il faut voir la vie. Ok, on va essayer d'écouter. Toujours une sorte de prêtre qui parle. On a l'impression de voir quelque chose, c'est terrible. Deux personnes. Deux personnes près d'une porte. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Est-ce que quelqu'un a résolu ces énigmes? Une pluie de sang. Ok, ça on l'avait déjà vu. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé ou réussi à résoudre ces énigmes, savoir ce que ça peut dire pendant qu'on filme justement dans l'autre monde, enfin dans le passé? En tout cas, on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.